à l'église de DM, le père fondateur est le pasteur principal et le senior pasteur David. Il est marié à Diaconesse Mamo Joana, père d'un fils Esaïe. Il est aussi lecteur à l'école ministère et philanthrope, et aussi écrivain de plusieurs livres. Conférencier de renom et pasteur principal, ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration, la loyauté et le rapprochement à Jésus-Christ. Premier jour, rappelle-toi ce qui se passait. Moi, je suis venu pour être restauré. Et donc, je fais restaurer. Le Seigneur fait restaurer la vie. Maintenant, oui. Gloire, son enfant, c'est qui vit. Oui. Acclame Jésus, s'il vous plaît. Acclame Jésus. Ceci dit, à l'église de DM, nous baptisons les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu. Alors ce matin, nous proposons la parole de Dieu, après nous prenons avec nous une cérémonie. En même temps, nous pensons qu'il y a qui venir pour se certifier à l'école ministère. Après cela, nous pourrons clencher. Amen, Église. Est-ce qu'ils sont disposés ce matin? Est-ce qu'ils ont l'esprit disposé? Amen. Alors, quatre principes pratiques pour servir Dieu épanoui. Ce message que je vous prêche ce matin-là, il n'est pas juste adressé à la diaconesse Maman Joannée et chez Elish, qui paieront dans l'office assistant pasteur, mais aussi il est adressé à tout le monde. Amen, Église. Alors, je vous porte avec eux quatre choses qui m'ont appris par la grâce de Dieu depuis 2009, mon servi Dieu, et je faillais dans beaucoup de place. Amen. Mon faillite dans beaucoup de places, mon échoué dans beaucoup de places, et pour la grâce bon Dieu, nous avons débout. Amen. Si mon corps débout, ce n'est pas parce qu'il a capacité, c'est parce que Dieu a envie. Et c'est pour cela, ce matin, je vais porter ça quatre principes avec eux, je vais porter ça avec mon étudiant à l'école ministère. Mais ça, c'est maintenant Dieu de moins toucher un peu différent de ce qu'il m'a porté à l'école ministère. Et je crois qu'il y a quatre points là pour une source de bénédiction pour toi. Amen, Église. Nous mettons debout, s'il vous plaît, nous faire la lecture de la parole de Dieu en respect pour la parole de Dieu. Amen. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 1er à 5. Est-ce qu'il nous a fait la lecture ensemble, Église? 1, 2, 3. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Qu'est-ce qu'il dit après mes affaires ici? Nous suivons, s'il vous plaît, suivez. Après mes affaires, qu'il dit? Prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Réprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre mon travail qui m'a nommé de Dieu, mes affaires là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça ici là? Des fois, quand le pasteur répond, ah, yo, pasteur, ou bien reprends-moi. Ah non, ben, en fait, ce n'est pas un mot de doctrine, ça. C'est ce qu'il a, la parole de Dieu, dit à moi, moi, bien faire. Alors, maman, j'en ai essayé, vous, chers, dis, guette-moi ici, s'il vous plaît. Ça me sans adresser à eux. Amen. Aujourd'hui, je peux être ordonné. Pas pour faire cagna-cagna devant le peuple. Hein? Amen. Ici, Paul me cause avec Timothée, son fils spirituel. C'est mon travail que je peux bien faire et commencer à porter aujourd'hui là. Amen, Église. Écoute mon avis. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Comme des fois ici, il y a un pasteur, on parle bien, ou la santé, pas bien pasteur, mais malgré ça, on fait prêcher. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Dans toute occasion, favorable ou non favorable. Amen. Réprends. Et me le dire à l'église ici. Pour faire l'année prochaine, pour faire 10 ans à l'église, 10 ans ministériel. Mais me faire ministère avant ça. Mais tout ça, l'étant là, mon bouge tout seul.
Amen. Mon équipe, le peuple du ciel. Je m'en amène ici. Posez moi, s'il vous plaît. Mon équipe, le peuple du ciel. Mon guette, le peuple du ciel. Mais l'église fait grandir. Et l'église pour continuer à grandir. Amen. Alors, mot du ciel, mot pas pour capable occuper le peuple. Amen, église. Alors, dorénavant, t'as l'air de me là. Quand je vous trouve assistant pasteur Yodis Vini, vu qu'il me délègue mon autorité, il représente moi. Amen. Alors là, quand vous trouvez pasteur Vini fait une visite, maman Johanna, il est allé, c'est pasteur David, mais dans la personne de maman Johanna. Amen. Dorénavant, pour ne plus, il y a comme leadership, moi, tu sais, pour il y a nous trois. C'est cette ordination. Donne-moi la main ici. Amen. Amen. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça, des personnes qui peuvent être ordonnées ce matin-là, je travaille. C'est instruire le peuple. C'est pour cela qu'il m'a mangé en un, il prend 8 ans. Aujourd'hui, pour être ordonné après. Amen. À l'église de DM, nous permet pas de passer la bosse. L'autel. Ah, demande la main ici. Amen. Mon coach, je suis un serviteur de là, moi, je suis un pasteur. Non. Ici, nous formons, toi. Amen. Et dans l'école ministère, dans l'école biblique, et maintenant, il est là, être formé. Maman, j'en ai là 8 ans. Il commençait ensemble avec moi avant. Après, il me disait poser parce qu'il est aussi une maman. Il me disait occupe nos enfants. Et maintenant, Esaïe n'a assez grandi. Maintenant, il pourrait rentrer dans le ministère pour les continuer et se lève. Amen, église. Ainsi que chez Ulysse, depuis le vin là, mon corps va faire plus de 4 ans, 5 ans. Amen, d'une forme et je trouve ce ministère. Mon papa, c'est un homme là. Amen. Avec toute douceur en instruisant. Quand il viendra des temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. La raison qui fait beaucoup de monde pas content au pasteur. Amen. C'est parce que moi, mon papa, presque 4 à 14 ans. Bon, vous dites la vérité, c'est ce que la Bible dit. Et je dis, en tant qu'imam assistant ici, je vous bien presse la sainte doctrine. Pas venir de moi, numéro soulier ici, là. Si pas, ou un a du monde dans la salle, sur le numéro soulier 40, si pas qu'ils histoires. Mon fils, j'ai devant le peuple. Hein. Parce qu'il me explique ça, là. Quand il viendra des temps, quand les hommes, pas pour pas si vôtre la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre. Non, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Comment il y en a de Maurice, je vais dérouler là. Hein, tu peux galoper là-bas. Et la prophète me demande 300 000 roupies, 400 000 roupies. Quelle bêtise, frère. D'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Amen. Ni moi. Ni maman Jean-Lan, ni Monsieur Edis, nous pas être élevés par nous-mêmes. Amen. Moi, mon Dieu offrant, moi j'ai envie de sauver moi. Mais c'est moi qui suis trop bon pour faire ce dernier mois de ministère. Amen. Ayant des mangeons d'entendre ces choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est ça qu'ils devaient trouver aujourd'hui. Dieu prospère toi. Amen. Recevons le Dieu. Alléluia. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte-les. C'est pour cela que je dis ça. Le ministère. Je suis aspirant pour une servante servitaire. Le ministère, c'est quoi? Supporte-les. Amen. Dans l'église de Dieu, on a peine la promotion. Je ne veux pas faire la promotion là, je veux dire. Amen. Même si c'est dans l'église, Dieu l'élève, toi. Le ministère, ben, élève ça. Le ministère, c'est souffrance. Supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Après, il dit, remplis bien ton ministère. Est-ce qu'il nous clame le Seigneur pour ses paroles? Nous regardons une place, s'il vous plaît, dans ce présence. Amen, église. Alors, ce matin, nous trouvons quelque chose bien important. Nous trouvons comment apôtre Paul, l'IPE, cause avec ce fils spirituel. Comment nous trouvons, c'est là, il nous dit quelques trois petites choses qui sont vraiment exceptionnelles pour qu'il soit capable d'être épanoui. Amen, Église. Alors, première petite chose ce matin, qui me l'importance avec Dieu, pour qu'il soit ministère capable d'être épanoui, surtout dans Maurice ici, là, quand il y a un tas critique,
Là, quand le pasteur peut manger dans le pasteur, quand l'église peut manger dans l'église, quand le membre peut tuer ce propre pasteur, et quand même le pasteur peut tuer ce membre. Première petite chose qui te bise est là, pour qu'il soit capable d'être épanoui. Frère Benjamin, est-ce qu'il y a une vidéo là? Bon, super, merci frère. Pour qu'il soit capable d'être épanoui, te bise un désir pour plaire à Dieu avant tout. J'ai ensemble avec moi, mon bisin, plaire à Dieu, avant les hommes, et avant toute chose. Il y en a quelqu'un qui comprend moi ici. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15. Pareil encore, l'apôtre Paul Pécose avec Timothée, ce fils spirituel, il dit, efforce-toi de te présenter, pas devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alors, un quelqu'un qui est intéressé pour faire le ministère premièrement, moi tout le temps de ça, c'est quoi le ministère? Moi, c'est qui fait l'école ministère ici. Je vais l'expliquer dans vos premières classes. Le ministère, c'est le travail que Jésus fait et nous continue à faire continuellement dans la terre. Nous m'en amène ici. Alright. Alors, premier désir qui te bise à pour te capable de plaire à Dieu, c'est dispense la parole de Jésus avec vérité. C'est pour cela que je dis ça. Ben, quelqu'un qui nous trouve aujourd'hui, qui commence dans le ministère, ou commence à faire un travail dans le ministère, si, comme on t'a ton pouce spirituel, tu as une relationship, tu as une connexion avec Dieu, tu as perdu de l'étendre. Et comme un grand bishop indien dans ce pays-là, tu as besoin de t'oublier. Amen. Le ministère, c'est une épée à double tranchant. Même ministère capable de promouvoir toi et même ministère capable de tuer toi. Amen, l'église. Oui. Et dans du monde, je vais dans le ministère de délivrance, je rentre au ministère de délivrance. Après, je vais gagner un bateau. Comment est-ce qu'il y a un téléphone? Ah, pasteur David, venez de moi. Qui est arrivé? Mon affaire visite. Je ne peux pas connaître comment pour faire visite. Ça va un démon là, mais il y a un contact avec moi. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est pour cela ou même vous êtes droite. Si je ne suis pas droite ici, je dis là. Le diable ronfle les yeux. Le ministère aussi, c'est quoi? C'est un royaume contre un autre royaume. Droite dans la sainteté, droite dans la sanctification, droite avec l'argent de l'église, droite avec toute chose. Amen. Amen. Et avec pas qu'à conduire le tavé. C'est pour cela, ici à l'église, nous formons dans le bon pasteur. Et nous, tout résultat. Il y a quelqu'un qui peut comprendre ce matin. Pour dire à Timothée, efforce-toi. Ça veut dire ce qui me comprend bien. Et il y a un moment où vous faites moi. Mais mon besoin, efforce-moi de paraître devant qui? Pas les hommes, mais paraître devant Dieu. C'est là que le ministère vous épargne. Que vous disciplinez. À du monde, vous dire que je vous dis, parce que la vie trop disciplinée. Parce que la vie trop franche. Je m'en fous de ça. Mon gars est tracé à le Dieu qui n'appelle moi plus que les hommes qui critiquent moi. Ah! Et là, quelqu'un me rembourse ce matin. Mon gars est tracé à Dieu avant. Comment critiquer? Je m'en fous de toi. Tu n'as pas nourri moi, tu n'as pas nourri mon secours, toi. Mon gars est tracé à le Dieu qui n'appelle moi quand la monde sort de discothèque. Mon père descend, trois boules de masse dans mon lavou. Je dis, moi, David, mon appel, toi, pour travailler. Mon gars est tracé à ça, la voilà, plus que tout là-bas. Tu as envie de critiquer, toi, la langue dans les yeux, dis. Il battait, mon chien battait. Le verset 16 il dit comme ça, évite les discours vains et profanes, car ceux qui tiennent avanceront toujours dans l'impureté. Et leur propre, et leur parole rongera la gangrène. Évite mon discours. Je suis aujourd'hui dans Maurice. Et dans ma gueule, je dis, je t'habille mon frère, 40 ans, moi dans l'église. Toi, ton jeune, t'as fait lever. Je m'en fous. 40 ans, mon père intéressé aux 40 ans, moi intéressé avec comment l'année tu es avec Dieu. Ah, demande amen ici. Moi, intéressé avec ton relation qui te avec le Saint-Esprit. N'a pas les yeux intimidés par aucun ancien qui parle ancien qui vient de Dieu. Est-ce qu'il donne un moment la garçon? N'a pas les yeux intimidés. Un jour, nous corrompons, toi, tu fais venir dans la foi. Je m'en fous. Jésus-Christ, il a 33 ans. Mon maître, parti il a 60 ans. Les anciens. Par les yeux d'être intimidé. Par personne. Peu importe qui pasteur, comment ils font l'année. Dans ma conférence,
Aïe, parce que la vérité, l'église, nous mettons dans le coin. Frère, te mets le Saint-Esprit dans moi dans le coin. Comment il a fait ça? Ah, nous grand onction, nous n'avons plus grand l'église. Je m'en fous de toi. Moi, l'objectif, c'est servir Dieu. Et tout le monde qui a envie de servir Dieu, ils ont le même objectif. Arrête d'être à calacher, bâtiment, arrête d'être à ça. Servir ton bon Dieu de toutes les guerres. C'est là qu'ils t'ont épanoui. Est-ce que dans un moment là, Ulysse? Pas des jeunes intimidés, pas bien sûr. Timothée, tu es un jeune homme en 19 ans, 23 ans. Et il est bishop d'une région. Vous gardez ça? J'ai dit qu'on est un apôtre dans Maurice. À cause de la Bible, j'ai apôtre premier. Vous chantez, Non. Peu importe qui titre, qui responsabilité de notre ministère. Frère, comporte-toi bien. Amen. Tu peux servir le roi des rois. Ah, demande amen ici. Tu peux servir le Seigneur des seigneurs. Amen. Pas les jeunes intimidés, ma personne. Pas les jeunes. Ah, ça a frère, relax. Servis Dieu dans l'épanouissement. Amen. C'est moi qui suis qui fatigue depuis que je suis au ministère, moi. Beaucoup de gens me disent, frère, aujourd'hui, j'ai le bon sens. Tu parles pas, je m'en fous. Amen. Plaît à mon Dieu. Reconnaître l'appel qui Dieu, ça, c'est un grand problème dans le pays, ça. Quand Dieu n'appelle toi, tu vas douter. Frère, moi, il arrive 10 ans là, depuis 2009, je servis Dieu. Première fois dans l'école des enfants. Jusqu'à maintenant, je trouve moi doute mon ministère. Comme critique nous gagnait. Jamais au bout de mon ministère. C'est l'école. Jamais au bout de 6 mois. Je connais qui la voix m'entendait. Je connais qui l'appelle m'entendait. Et aussi pareil, où ils ont dans l'assurance. Si vous êtes intercesseur, assurez de vous intercesseur. Demande à main ici. Si vous êtes un apostolat, assurez de vous apostolat. Si vous êtes un signe apostolat, assurez de ça. Si vous êtes un servant, serviteur à l'église, assurez de ça. N'a pas laissé personne intimider toi, n'a pas laissé aucun qui qu'un. J'attends que j'ai le Facebook, peu importe. Non, assuré. T'es un soldat, toi. Amen. T'es un soldat, toi. Pas laissé personne intimider toi. Et évite mon discours. Bien important, ça conseille. Beaucoup de personnes, quand je me trouve telle place, frère, je suis bienvenu comme ça, je suis venu de mon passe par le côté. Même si je vous ai fait un demi-rond après, pour faire le tour. Amen. Parce que dans nos pays, il y en a plus beaucoup de religieux que de chrétiens. Déclare chrétien, je te la vis pas chrétien. Amen. Fais croire chrétien que je mets cochim, la vie pas chrétien. Manière pas chrétien. Où est-ce que vous pouvez comprendre ce matin là? Alors, pour qui vous êtes capable d'être épanoui dans le ministère? Tu as besoin d'un fort mental. Un mental d'acier. Un caractère puissant. Mais tout le temps, c'est un jeu de salon. Nous, un soldat, du monde que tu veux ou pas, nous n'avons pas envie de ça. Faire le travail que Dieu t'appelle toi pour faire. L'église pour soutenir toi. Le pasteur pour soutenir toi. Et le peuple pour soutenir Dieu. Amen. Amen, l'église. Alors, prêche avec assurance. Prêche avec conviction. Prépare ce message. Paye le prix. Amen. Là, pas mieux commencer par le pasteur, une église voyagée dans le 24, 24. Non. Paye le prix. Prépare ce sermon. Étudiez. Bizarre, refaire l'école ministère. Refaire l'école ministère. Apprendre. C'est pas à cause du jeune qui donne faiblesse dans sa pays. Là. Non. Écoute ce qui m'a dit ici. Dieu voulait une génération à travers l'église de Dieu. Sa génération là pour bouleverser sa pays. Là. Donne-moi 10 ans avec Dieu. 10 ans seulement. 10 ans. On le perd 10 ans, mais ça 10 ans qui m'est venu là, c'est extraordinaire. Donne-moi la main ici. Amen. Deuxième affaire qui est bien importante. Apprendre contre ton mandat. Que m'a mangé là? Apprendre contre ton mandat. De ne t'appeler pour qu'il bâle femme. Aiguise-toi. Hein, cher Ulysse? De ne t'appeler dans les finances. Peu importe qui domaine. Aiguise-toi, garçon. Pas prendre compte des jeux. Aiguise-toi. Je dis trop mon sacrifice, non? Quand tout le monde peut dormir 3 heures du matin, parce qu'il peut lever. Puis apprendre, lire un livre, collecter une culture dans le ministère. Un homme qui prêchait, frère, le misère est un ami, lui-même, sincèrement, fini préparé.
venir préparer, réviser mon serment, lever, prier, jeûner. Mon Dieu, ça. Toutes les semaines, God ajoute à des jeunes du ministère. Condamne la langue qui est levée. Tu as mis ça contre ton mandat. Tu ne t'appelais pour femme, le diable vous combat toi là-dedans. Pour une femme qui vous lève contre toi. Mais levez-toi. Ah, levez-toi, levez. Amen. Nous fatiguer avec ma prophétie, avec ma motivation et qui ne pas pour personne lever. Non, maman Jonah, lève-toi. Visionner. Trouve grand. Trouve une femme pour toi. Levez. Passez-y. Quand ton mandat, connais pour la raison qui fait Dieu n'appelle toi. J'ai beaucoup parce que la chair et dans les gens qui message Dieu n'appelle toi. Près Jésus-Christ. Je t'ouvre Jésus-Christ. Mais qui message Dieu ne donne. Il y a un maman Jonah ici qui organise, femme épanouie. Non, aiguise-toi là-dedans. Quand ta vision, dis à mon Seigneur, donne-moi une vision pour qui réellement l'Église est bénie. Amen. Quand la vision que Dieu donne toi. Pareil que moi, Moïse, il y a un mandat. Non, son mandat, c'est quoi? Retiens le peuple d'Israël. Pourquoi dire à Moïse comme ça, allez, fais six des trois guérisons? Non. Reste dans la ligne. Reste dans la raison que Dieu n'appelle toi. Ok, mon Jean? Dieu n'appelle toi pour ma femme. Pas besoin de sentir toi être victimisé à cause de ma femme. Non. Prêcher. Préparer. Moi, tout le temps, je dis ça. Un homme de Dieu, il n'est pas prêt pour le vendredi. Il vit dans la préparation de lundi à dimanche. Amen. L'église ici, pas bizarre, mal raté, mal pasteur, mais un pote qui pouvait nous préparer vendredi. Non, nous vivons dans la préparation. La souffrance et l'eucharisme. Il y a quelqu'un qui peut pour moi ce matin. À l'église, je me connais beaucoup de gens qui disent, ah, pasteur, nous sommes sévères. Excuse-moi, aujourd'hui, moi, je vais continuer ce que ça dit. Le moins, amen. Amen. Je t'en vive une fois. Je vais bien trouver un petit peu de faux ici. Amen. Qui fait l'église de se faire? Parce qu'il y a un petit peu de faible au l'hôtel. Et en tant que signe au pasteur ici, nous pouvons amener encore des bergers à côté de moi pour l'église. Mon bisou fait ce qu'il faut pour ce qu'il faut. Si vous venez, amen, alléluia, grand Dieu, bien. Prenons ce pas pour tellement bien. Les gens disent, pasteur là qui fait faible comme ça, il va manger comme matin. Non. Un homme de Dieu, il est fort pour le peuple, il faut. Est-ce qu'il dit haut? Satan fait? Satan fort de haut, dit. Amen. C'est pour cela qu'un homme de Dieu, il est fort. Il est consacré. Amen. Et quand j'ai l'objectif, c'est vrai, à partir d'aujourd'hui, pas prenant, c'est pas tout seul qui prenant l'objectif dans l'église, mais je dis prenant l'objectif. J'ai l'objectif, bizarre quand je vais prêcher, tiens le peuple à une place et amène le peuple à une autre place. Moïse, le premier prophète qui finit, amène l'église. Il tient l'église dans l'enfer, dans l'Égypte, et il amène l'église dans la terre promise. Alors, j'ai l'objectif, puis c'est clair. Le ministère, nous ne pouvons pas imaginer dans le ministère. Nous. Le ministère, c'est une affaire sérieuse. Alors, je disais qu'à pas prendre l'église à une place et amène l'église à une place. Demain, parce que David n'est pas là. Mon parti ou quoi, peu importe comme ça, mon aller, je te poubise, continue le travail. C'est pour cela que je vais aller devant l'église ici. Amen. Alors, je te poubise capable et une vision. Baptise le message, aiguise le message, faire mal l'école qui est et consacrer bien et bon. Donne-moi un amen ici. Troisième question qui m'a proposé ce matin, c'est ma fréquentation. Moi, tout le temps, je dis ça. Moi, je l'excuse, moi, quand je vous dis à passer la ville au guillet, moi, pas fréquent, personne. Amen. De fréquentation détermine de destination, gosson. Amen. Si tu fréquentes un membre qui rétrograde, toi qui passes tes aujourd'hui demain, il vous contamine de la foi. Amen. Ok, maman Joana. Si tu fréquentes une femme qui n'a aucune valeur, et qui te fréquentes une femme qui les monte, lui doit te travailler ou pas, demain, sa femme-là, pour déteindre toi. Et l'investissement qui se passait, il met dans le jeu pour finir par être détruit. Dans le ministère, moi, je dis ça, le ministère, l'île solitaire, ça. Amen. Mais papa, ça dit, mon russe, tu trouves un tag de bodyguard, ou tu trouves un tag de manger. Non, frère. Nous, qui est apôtre Paul, nous revenons de la Bible. Amen. L'apôtre Paul, tu es solitaire. Je dis, trouver que moi, je suis solitaire, non.
Alors, il est important que je veille cette fréquentation dans le ministère. Qu'à part les pasteurs, les bishops, peu importe qui ce nom, m'aurait dit, veille cette fréquentation, veillez qui prédication je t'écoute. Amen. Ou écoute une prédication qui peut bâcher ou peut être aiguisé. Ou écoute une prédication qui peut critiquer du monde, ou pour venir là, ou pour critiquer. Alors, aiguisez bien connaître. Moi, je finis des autres qui m'ont fait spirituel qui me suivent. Amen. Bien important, 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33, dit ça. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pendant 4 ans, nous nous bâtions de la vie et nous avons des bonnes mœurs. Ben dessiner une crée dans toi. Ainsi toi maman jeune. Et demain, une seule femme qui te met à côté de toi qui n'a pas terre, tu sa bonne mère. L'église, est-ce que je vais comprendre ça? Comme on peut presser avec maintenant, je prends ça aussi pour je t'amène. Une mauvaise compagnie qui a corrompu ceux qui vont dans toi. C'est pour cela que moi tout le temps j'ai la vie chrétienne. Aujourd'hui, quand nous avons la vie chrétienne de haut, nous avons du monde chrétien comme bien vivre. Frère, chrétien, bien vivre à l'esprit qui païen. Païen de pour lui faire rentrer. Non, on m'a fait comme toi, moi. De pauvre, toi, m'en fais comme toi, moi. Les pauvres, on est du monde qui riche. Chrétien, à cause de l'amour de Dieu, les bouffes, quand c'est qui il est. Et après ça, on trouve, et n'a un déteint qui coule. Amen. Proverbe dit comme ça, dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes quelqu'un qui est dans le ministère, qui peut arriver, il peut aiguiser toi, et il peut amener toi au même niveau qu'il est, et tu la fais pour être challengé. En 2014, comme on finit, abandonné par l'église que tu as motivé, critiqué par rapport au pasteur que tu as motivé, mais persistement l'église. Et là, bon Dieu, j'ai même fait demander à David, me donne un nom, alors que ça nous a dans YouTube. Depuis ce jour, mon avis est changé. C'est pour cela que je me suis dit, je me suis dit, qui n'a rien David? C'est aujourd'hui, je me pose une question. Qui fait? Je fréquente un lecteur ou une lecteur. Si je fréquente un, même dans le ministère de la poule, même dans le ministère de la poule. Et le madame de Dieu pose problème autant qu'à ma descarte en tout, frère. Non. Fréquente pas du monde qui vous challenge de la foi. Ah, demande à main ici. Fréquente pas du monde qui vous challenge ton ministère. Quand tu disais, moi, on veut faire ça. Ah, parce que la ville fait 21 douzaines, moi ici, moi, pour faire ça. Mon père spirituel, il fait ça, moi ici, moi, pour faire ça. Guette pas l'homme de Dieu la foi. Pas guette pas l'homme de Dieu poltron. Ben lâche. Non. Tu n'as pas pour réussir dans l'année. Tu n'as pas pour être épanoui. Parce que ta fréquentation détermine ta destination. Veille cette connexion. Moi, tout le temps, c'est ça. Même pas une vidéo nous connecter avec un homme de Dieu. Amen. C'est ce qui n'arrive, moi. C'est ce qui n'arrive, moi. 2014, quand je suis monté, je suis baisé, c'est un Nico. Je suis ça, non, là. Moi, c'est le Tinassi. Jamais, moi, je suis passé, moi, c'est le. Nous vais prier pour qu'il l'année prochaine, nous avons là-bas. Et quand je suis connecté avec lui, par jour, je m'écoute 16 prédications. Comment tout le monde prêche là? Je ne suis pas prêche comme ça, mais moi. Je ne suis pas capable de faire ma première vidéo sur YouTube. C'est qui t'a connecté? C'est une connexion de bruit. Alors, connecté avec ma nom de Dieu qui mange la sainteté. Nous pays, et n'a trop beaucoup adultère. Amen. Et n'a trop beaucoup adultère. Trop beaucoup. Alors, écoute la sainteté. Prêche la sainteté. Dorénavant, quand je vais vous prêcher, c'est un qui m'a prêché moi. Parce qu'ils m'ont connecté avec ça. Amen, l'église. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Veille de connexion. Bien important. Et quatrième petite chose, je vais terminer. Après cela, nous passons à l'ordination. Développe un avis de consécration et de méditation avec le Saint-Esprit. Plus grand sacrifice qu'il y a dans le ministère. Moi, tout le temps, de ça. Ce n'est pas prêcher. Ce n'est pas jeûner. C'est méditer. Comme je gagne Bernard ta fois l'année dernière, mon gros ça. Dans mon maladie, comme on a comme docteur dit à moi, David, te venez, tu as besoin de moi sans prêcher. Je dis, ok, maintenant, chérie, je suis là pour prêcher. Mais le Saint-Esprit dit à moi, David, dans sa maladie, là, moi, te rend dans un moment de méditation, de consécration. Tous les jours, je reste comme aux genoux. Mon amour, au tabouret, là, l'homme aux genoux, comme ça, l'homme lui dit, oui, qu'il y a un temps. C'est quelque chose qui est plus difficile dans le ministère. C'est de se concentrer dans le verset biblique 4 temps. Tu penses Jésus pendant 5 temps. Tellement tu as quelque chose à faire autour de toi
et qui te peine les temps pour consacrer, te vous montre ici sans puissance et te vous presse fiasco avec le peuple. Le peuple pas pour se l'estomac n'a pas pour caler. Parfait, comment ça va passer la montée? C'est l'invitant de Jésus aujourd'hui. Amen. Jésus vous précise, Jésus vous précise. Non. Jésus passe de ce trône. Il appelle nous comme un ambassadeur pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens, il dit nous comme ça. Il envoie nous comme un ambassadeur. La Bible dit comme si Dieu parlait à travers de nous. Alors, pour qui Dieu est capable de causer avec toi devant le peuple, dans le secret, il est capable de causer avec toi aussi. Pareil. Amen. Alors, je bise et la vie de consécration et de sainteté. Je bise et la vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas être ordonné aujourd'hui devant le peuple pour faire joli. Non. Je bise bosser dans l'intimité. Amen. Et un jour, bise capable qu'on n'est pas pour manger aujourd'hui nous pour gêner, nous pour consacrer, nous pour laisser l'onction de Dieu demeurer. Surtout un jour qui nous boule les yeux de la chair pour prêcher. N'a pas mon mot la chair parce que ça c'est une affaire sacrée. Mon pas de mot la chair avant quelqu'un qui part à nos têtes. De moi, amen ici. Jeûne et prière, journalier, tolère de prière pour ton ministère. Moi, tout le temps, tu as l'église ici, l'église vraiment chic. J'ai besoin d'un lien de prière. De moi, amen ici. Amen. Mais n'a pas un lien de prière, mais un délire de prière. Je clair de prière normal, tu appelles l'intimité avec Jésus. Et je deuxième lien de prière, quand là, je prie spécialement pour je ministère. Amen. Quand là, je fais un combat spirituel pour je ministère, pour qu'ils aient à prendre l'envol. Moi, pas pour prendre l'envol pour je. Nous faisons un jeune, une plateforme. Mais c'est je qui besoin lever et faire la différence. Méditation de la parole de Dieu. La lecture de la Bible. Réécoute un sermon qui te passe un prêché. Amen. Réécoutez. Seigneur, donne-moi un réma de ce qui te dit à mon père spirituel. C'est comme ça que je vais ministère pour t'épanouir. Ok? Lire un livre. Moi, tout le temps, j'ai ça et moi, tout le temps, j'ai ça. Un homme de Dieu pas dormi sans des livres. Amen. En ce moment, je vais lire 3 livres. 3 livres, je vais lire. Je vais lire un livre. Pourquoi les chrétiens qui ne donnent pas la dîme deviennent pauvres et pourquoi les chrétiens qui donnent la dîme deviennent riches. Je vais lire un autre livre encore lors du ministère. Je vais apprendre encore lors du ministère. Et un autre livre encore, je vais lire 3e livre là. On a publié le livre. Je vais lire la famille, ça. 3 livres. Alors, pas jeter le temps. Amen. Une ancienne bibliothèque comme 14 000 roupies. Non, une école ministère. Alors, pas jeter le temps de lire. Le peuple mauricien, bisez un homme de Dieu qui n'a connaissance. Amen. Pendant que vini monter, griller, t'applamer, sortir. Non. Le peuple de l'église de DM, bisez un homme et une femme qui n'a connaissance. Quand je te montre là, je vous amène une solution avec l'église. Pas amène faiblesse, amène avec le peuple. Amen. Ceux qui parlent longtemps, allez. Mais ici, je vais faire le peuple une fois. Amen. Quand Moïse, il levait le peuple, il levait le peuple strong. Il levait le peuple fort. Jésus-Christ n'a pas bâti un chrétien faible qui fait un foi à cause de l'amour, qui existe l'amour, la foi, l'amour. Non. Le peuple, il levait une fois. Le peuple, il est capable de dire non, là, ça c'est péché, ça. Ça c'est péché, nous pas pour péché. Nous bisons dans la sainteté. Comment on peut dire, faux, pas juste physiquement, mais faux dans la foi. Donne-moi un amen ici. Amen. Le peuple bizarre vrai même comprend quand je prêche. C'est pour cela que je donne de ça. Je prédication bizarre préparé bien. Bizarre bien préparé. Je bizarre conscient, moi, la même. Alright? Vous voyez là comment est prêt. L'église, est-ce que je peux comprendre aujourd'hui? Est-ce que je n'ai qui doute dans mon message? Non. Je prends le temps pour expliquer bien. Lire ma vie spirituelle, lever à soi, prier, bien important. Est-ce qu'il nous a applaudi le Seigneur pour ce bravo ce matin?
à l'église de DM, le père fondateur est le pasteur principal et le signeur pasteur David. Il est marié à Diaconesse Maman Joanna, père d'un fils Esaïe. Il est aussi lecturier à l'école ministère et philanthrope. Et aussi écrivain de plusieurs livres. Conférencier de renom et pasteur principal, ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration, la loyauté et le rapprochement à Jésus-Christ. Premier jour, vous rappelez ce qui s'est passé. Moi, je suis venu pour être restauré. Et donc, je fais restaurer. Le Seigneur fait restaurer la vie. On acclame Jésus, s'il vous plaît. Ceci dit, à l'église de DM, nous baptisons les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu.